Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, notre Sauveur, a connu les ténèbres de l'angoisse, de l'abandon, de la souffrance et de la mort sur la croix. Son corps supplicié a été enfermé dans la noirceur du tombeau. La nuit semble avoir vaincu le jour. Le mal semble avoir pris le dessus sur le bien. La flamme que nous allumons maintenant proteste et atteste pourtant du contraire. Le sépulcre n'a pas pu engloutir pour toujours la vie du Fils de Dieu, notre frère en humanité. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Sa vie nous éclaire et nous réchauffe. Elle nous guide sur tous nos chemins. Nous ouvrirons bientôt le livre de la parole pour nous rappeler comment de tout temps Dieu nous a aimés. Nous prendrons alors conscience que le Seigneur nous sauve encore et toujours. Nous accueillerons de nouveaux baptisés. Par le rite de l'eau, nous nous rappellerons aussi notre baptême, par lequel nous sommes devenus membres de l'Église, corps du Christ. Enfin, nous nous rassemblerons autour de la table eucharistique pour communier à celui qui est notre pain de vie. Voici une nuit de clarté et de joie. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu sanctifié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.
Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous puissiez dignement annoncer la grande joie de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Exultez de joie, multitude des anges. Exultez, célébrez les mystères divins. Résonne, trompette du salut, pour la victoire de si grands rois. Que la terre, elle aussi, soit heureuse, irradiée de tant de feu. Illuminée de la splendeur du roi éternel, qu'elle soit dans l'obscurité qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église notre mère, parée d'une lumière si éclatante, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation de tous les peuples. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix dans tout l'élan du cœur et de l'esprit. Le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous, Père éternel, le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Voici la nuit où le feu d'une colonne lumineuse a dissipé les ténèbres du péché. Voici la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd'hui et dans tout l'univers, ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux du séjour des morts. Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous, inestimable choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu as livré le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Ô bienheureuse faute qui nous valut pareil rédempteur, car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montante de cette colonne de cire, œuvre des abeilles, que la Sainte Église t'offre par nos mains. Ainsi nous t'en prions, Seigneur,
Permets que ce cierge consacré en l'honneur de ton nom brûle sans déclin pour dissiper les ténèbres de cette nuit. Qu'il te soit d'un parfum agréable et joigne à sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle quand s'élèvera l'astre du matin, cet astre sans pareil qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils, revenu du séjour des morts, qui répand sur le genre humain sa lumière et sa paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Éteindre vos cierges et vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple, et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore : Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre. Et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Parole du Seigneur. Peur
terre ne s'effondre. C'est toi qui l'as fixé sur ses fondements pour les siècles. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Du manteau de l'abîme, tu la couvres. Voici que les eaux se rassemblent. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, à la plénitude des temps, est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars,
et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur Dieu,
Nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors, j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'ils avaient rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur. Et ils sont sortis de son pays. Pardonnez-moi. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai au milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai sur votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et la soyez fidèle. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas dans l'holocauste le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement que constitue l'Église entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut de l'humanité. Que le monde entier éprouve et reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé. Ce qui avait vieilli est rénové. Et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église l'Esprit qui fait de nous des fils, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Par Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous tous qui, par le baptême, avons été
unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Qu'ils disent ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia. Éternel est son amour. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. Est devenue la pierre d'angle. Alléluia. C'est la l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La merveille devant nos yeux. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau.
portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elle était désemparée, voici que deux hommes se tinrent devant elle en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'elle avait dites. Revenus du tombeau, ils rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors, Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà pensé à remercier pour le don de la foi, pour avoir la foi? Remerciez Dieu qui a déposé dans votre cœur ce don de la foi. Remerciez ceux qui vous ont transmis la foi, et pour plusieurs d'entre nous, c'est dans la famille. Remerciez Dieu pour la foi de nos parents. Remerciez nos parents pour nous avoir transmis la foi. Remerciez des gens qu'on a rencontrés sur notre chemin, un professeur, un curé, une religieuse, un bénévole dans la paroisse, un sacristain, une catéchète. Sur notre parcours de foi, il y a plusieurs présences. Il y a toujours l'action de Dieu qui touche notre cœur. Il y a toujours les personnes par lesquelles Dieu passe. Remercier pour le don de la foi. Alors, quelque part, ce serait mon message ce soir. Remercier Dieu pour le don de la foi. Et remercier en priant pour toutes les personnes qui ont été sur votre chemin. Les remercier pour le don de la foi. La foi, on prend ça un peu comme acquis, peut-être, mais en même temps, on sait que ce n'est pas évident. Il y a peut-être eu dans notre vie même des moments où on était plus dans la foi, puis d'autres moments où on avait plus pris nos distances vis-à-vis de la foi. C'est mystérieux, très mystérieux, le don de la foi. C'est un peu comme... Tu sais, on peut marcher le long du trottoir, puis il y a une clôture. Puis si on regarde le terrain avoisinant, c'est pas loin, là, c'est comme un mètre, 30 centimètres, c'est pas loin. C'est juste sur le côté de la clôture, mais il y a une clôture, donc c'est loin en même temps. C'est tout près, puis en même temps, c'est loin. Dans la foi, il y a un peu de cela. On n'est jamais loin d'avoir la foi, mais en même temps, on est loin d'avoir la foi ou d'avoir suffisamment la foi.
Dieu est toujours prêt. C'est jamais loin, la foi. Dieu est toujours près de nous. Mais en même temps, il y a des obstacles dans notre vie. Peut-être des peines, peut-être des souffrances, peut-être des questions, ou peut-être notre ambition qui nous fait mettre Dieu de côté. Une réalité qui est toujours en même temps proche de nous, mais en même temps un peu éloignée de nous. Si on regarde l'expérience des femmes qui sont allées au tombeau et des apôtres, c'est comme avant que Jésus se manifeste. Jésus, à ce moment-là, dans l'Évangile, le récit qu'on a entendu aujourd'hui, Jésus ne s'est pas encore manifesté dans le sens d'apparaître, de se donner à voir. Alors, les femmes vont au tombeau. Alors, quand, pour embaumer le corps de Jésus, parce qu'ils n'ont pas eu le temps après la descente de la croix, c'était le sabbat qui commençait, on peut pas bouger pendant le sabbat, donc on l'a déposé rapidement au tombeau. Et à l'aube, alors qu'on sort du sabbat, elles allaient là pour embaumer son corps, qui était entouré de bandelettes et de linge. Alors, elles y vont comme des êtres humains qui est notre expérience, dans le sens que quand quelqu'un est mort, bien, il est mort. Il est fini. On ne le revoit pas. On ne le revoit plus. Puis à la limite, si on le revoyait, ça nous terroriserait, puis on se dirait, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu es supposé être mort. » Ça nous débalancerait. Et on ne serait pas nécessairement heureux de le revoir, parce que c'est tellement contre notre expérience de base qu'on serait comme bousculé. Alors, Jésus, il va par étapes. Il commence par le tombeau vide. C'est la première étape pour faire réfléchir. S'il leur apparaît tout de suite, il les jette à terre. Mais il commence par la première étape, le tombeau vide. La résurrection, c'est un événement qui a eu lieu dans l'histoire. Jésus, le Verbe s'est fait chair, il est venu dans le monde, c'est dans l'histoire. Je peux ne pas voir en lui le Fils de Dieu, mais c'est un être qui a existé sur la terre, qui a marché sur la terre, qui a été crucifié. Ça, c'est dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire. Au moment de sa résurrection dans le tombeau, il n'y a pas un être humain qui l'ont vu ressusciter. Mais le ciel l'a vu ressusciter. Les anges l'ont vu ressusciter. J'ai une longue liste de choses à faire quand je vais arriver au ciel, ce que j'espère, comme nous tous. C'est d'aller demander à l'ange qui était au tombeau, là, qu'est-ce qu'il a vu quand il a vu Jésus ressuscité? J'ai le goût d'entendre qu'est-ce qu'il a vu, son histoire, qu'est-ce qu'il a vu quand il a vu Jésus ressuscité. C'est peut-être la scène la plus belle de toute l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus. Alors, les femmes arrivent au tombeau, elles entrent dans le tombeau, bien, Jésus n'est pas là. Est-ce que c'est parce qu'on l'a enlevé? Ben non, les linges sont là. Si on l'avait enlevé, les linges seraient partis avec. C'est les linges qui entouraient le corps de Jésus. Le corps n'est pas là, mais les linges sont là. Qu'est-ce qui est arrivé? Grande question. Elles arrivent aux apôtres, elles leur disent, bien, on est allé au tombeau, le corps de Jésus n'était pas là, il y avait des linges, mais il y a deux anges qui nous ont dit, il est ressuscité. Bien là, les apôtres, bien, c'est comme les femmes qui sont allées au tombeau, c'est des êtres humains. Pour eux, ce qui est évident, c'est que quand tu meurs, bien, on ne voit plus la personne, physiquement. Impossible. Donc, ils se disent ils disent ce qu'ils disent. Ça se peut pas. Ça arrive pas, ces choses-là. Quand on est mort, on est mort. Ça se peut pas, ça arrive pas. Puis là, Pierre, il y a quand même un petit doute. Il dit, il faut que j'aille voir quand même. Non, ça se peut pas. Mais je vais quand même aller vérifier. Il va au tombeau, il rentre. Pas de corps, pas d'ange qui lui parle.
Mais les langes et les linges sont là. Fait que là, il sort de là. Ben, il réfléchit. Il réfléchit fort. Ça va le préparer à voir Jésus. Comme ça va préparer les apôtres et les disciples et les femmes à voir Jésus. Mais il y a ce moment qui est noué. Jésus est ressuscité. Alors, c'est un événement qui arrive dans l'histoire, puis en même temps, c'est un ce qui se rajoute à cette histoire, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, dès les débuts, de fait, dès le soir même, dès le dimanche soir, là, il va se manifester aux apôtres. Alors, dès les débuts, dès dans la foulée de la résurrection, il y a des hommes et des femmes à qui il s'est donné à voir, à qui il s'est manifesté. Et il y a des hommes et des femmes qui vont dire, on a vu Jésus ressuscité. On a vu le tombeau vide, ça nous a questionnés, parce que ça ne se peut pas. Et finalement, il s'est donné à voir à nous. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors, ce qui est historique, c'est la résurrection de Jésus est historique parce que son corps est disparu du cosmos. Son corps, il n'est plus sur la terre, il n'est plus dans le cosmos, il est disparu de la matière. Le corps glorifié est dans le ciel. Mais ce qui est historique aussi, c'est que des hommes et des femmes, depuis 2000 ans, c'est-à-dire il y a 2000 ans, on dit « on a vu Jésus ressuscité, il s'est donné à voir à nous, il est vivant ». Puis il y a des hommes et des femmes qui ont entendu ces paroles-là, et ils ont cru ces paroles-là, et ils ont transmis à leurs enfants ces paroles-là, et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui on a la foi, c'est pour bien des raisons, mais c'est parce que non seulement Jésus est ressuscité, mais parce qu'il y a 2000 ans, des hommes et des femmes ont dit, on l'a vu ressuscité, il est vivant. Puis là, après, c'est comme un flambeau qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui ont vu, qui ont dit à du monde qui n'ont pas vu, qui est vivant, puis le monde qui n'ont pas vu, ils ont cru la parole de ceux qui avaient vu, et eux-mêmes qui n'avaient pas vu, mais qui ont cru, ils ont transmis à du monde qui n'ont pas vu non plus que Jésus est ressuscité, jusqu'à aujourd'hui. C'est mystérieux la foi, parce que c'est à la fois en même temps puissant et fragile. Il suffit qu'il y ait une génération sur la terre, là, où personne ne croit, pour que, après, il n'y a plus personne qui croit. Si on croit aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours eu sur la terre quelqu'un qui croyait, même s'il n'avait pas vu, même si c'est quelqu'un qui n'avait pas vu, qui lui avait dit que Jésus était vivant. Il y a toujours eu quelqu'un, en 2000 ans d'histoire, il y a toujours eu sur la terre quelqu'un qui croyait. Des fois, c'est quelques personnes, des fois, c'est beaucoup de personnes, mais il y a toujours quelqu'un qui croit. Et c'est pour ça qu'on croit aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours eu quelqu'un qui croyait. Quand on pense à la foi, on pense en termes de nombre. On voudrait que tout le monde connaisse cet amour de Dieu, que tout le monde connaisse, que sache que Jésus est vivant. Mais on sait que ce n'est pas si évident que ça. Comme pour les apôtres et les femmes qui sont allées au tombeau, ce n'était pas si évident, parce que ce n'est pas dans l'expérience immédiate d'un être humain. Et pourtant, c'est vrai, et pourtant Dieu existe, et pourtant Dieu agit, et pourtant Dieu nous sauve, et pourtant Dieu est plus fort que la mort, plus fort que la haine. C'est la puissance de son amour, et pourtant Dieu vient dans notre cœur nous transformer, c'est la puissance de son salut. Et pourtant, il est là, il est à l'avant nous, il est à travers nous. Mais en même temps, on a des blocages, en même temps, on a des hésitations, en même temps, on a nos distractions, en même temps, on est occupé à vivre. Il y a une longue histoire de transmission de la foi. Mais je prends un exemple, l'exemple du feu. On a commencé avec une bénédiction du feu. Dans la transmission d'une flamme, ce qui est important, c'est la flamme, ce n'est pas le nombre. Ce qui est important, c'est qu'il y a un flambeau qui porte la flamme. Ce n'est pas le nombre de flambeaux.
il suffit d'un flambeau. Qu'un flambeau porte la flamme et un flambeau peut embraser une forêt. Un seul flambeau. C'est pas une question de nombre de flambeaux. Et encore aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas une question de nombre. C'est une question d'un flambeau. Il suffit d'un flambeau, un, pour transformer le monde. Et on sait qu'il y en a plus qu'un. Mais il ne s'agit pas d'être dans l'inquiétude devant le manque de flambeau de la foi. Il s'agit d'être fidèle à notre foi. Il s'agit d'une personne fidèle à la foi pour transmettre la foi, pour être pour une génération, pour être pour un temps, le flambeau qui transmet la foi. Nous avons le privilège, parce que c'est un privilège, c'est un don inouï qui transcende notre existence. Nous avons le privilège de croire en Dieu. C'est un don extraordinaire. Nous avons le privilège de croire que Jésus est vivant, de croire en son amour, de croire en la réalité de sa mort sur la croix où il a tout porté, nos péchés, nos souffrances, nos morts, de croire en la puissance de sa résurrection où il est vivant parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher Jésus-Christ de vivre ou de nous aimer. Il est plus puissant que tout. C'est un tel privilège de croire en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Le crucifié est ressuscité, il est vivant. Et il est vivant non pas comme un spectateur dans le ciel qui nous voit déambuler sur la terre. Il est vivant comme celui qui ne cesse de venir frapper à la porte de notre cœur pour chacun et chacune d'entre nous. Il est vivant comme celui pour lequel on peut ouvrir notre porte, pour qu'il puisse entrer en nous et nous transformer. C'est un privilège d'avoir la foi, puis en même temps, c'est un don immense de pouvoir laisser Dieu entrer en nous pour faire son œuvre en nous, le salut. Dans notre vie, il y a des joies, mais il y a aussi des peines. Et les peines font partie du lot de l'existence humaine sur la terre, en ce temps, en ce monde. Et Jésus a porté toutes ces peines et il est ressuscité. Quand j'accueille Jésus vivant dans mon cœur, j'accueille Jésus qui est plus fort que la peine. J'accueille Jésus qui peut de l'intérieur me fortifier, me pacifier, me transformer ma peine, dépasser ma peine, me guérir, me guider. Je peux être dans des situations familiales, sociales, ecclésiales, bloquées. Jésus a le pouvoir. Jésus, il débloque comment les choses? Il débloque en débloquant tout d'abord dans notre cœur. Est-ce que je veux être ce flambeau de la foi qui se laisse habiter par Dieu, pour être renouvelé par Dieu, pour que je sois comme un canal de l'action de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour le don de la foi. Et prenons le temps de nommer dans notre cœur toutes les personnes qui ont été sur notre chemin et grâce auxquelles nous avons la foi.
Excellences, je vous présente les candidats qui seront baptisés ce soir. Tránsito. Nicolas et Valentina. Chers jeunes, chers amis, implorons la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour ses frères et sœurs qui demandent le baptême. C'est lui qui les a appelés et les a conduits jusqu'à cette nuit, qui leur accorde la lumière et la force pour qu'ils s'attachent au Christ de tout leur cœur et professent la foi de l'Église, et qui leur donne d'être renouvelés par l'Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette eau. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean l'évangéliste, Saint Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Augustin et Saint Benoît, priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, Saint Martin et Saint Grégoire, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Thérèse de Calcutta, priez pour nous. Saint Jean 23, priez pour nous. Saint Jean Paul II, priez pour nous. Saint Jean de Brébeuf, Saint Isaac Jog et leurs compagnons, Sainte Marguerite Bourgeois, priez pour nous. Sainte Marguerite Diouville, priez pour nous. Saint Frère André Bessette, priez pour nous. Sainte Catherine et Caquita, priez pour nous. Saint François de Laval, Sainte Marie, Mère de l'Incarnation, priez pour nous. Bienheureux Paul VI, priez pour nous. Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, priez pour nous. Bienheureuse Marie-Anne Blondin, priez pour nous. Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, bienheureuse Dina Bélanger, priez pour nous. Bienheureuse Émilie Gamelin, priez pour nous. Bienheureuse Marie-Rose Durocher, priez pour nous. Bienheureux André Grasset, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu,
contre toi favorable. Délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous, ô Christ, exauce-nous. Dieu, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismable. Rends efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et de bien des manières tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir un signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du délice, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude libérée de l'esclavage de Pharaon préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive l'Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé des souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine.
afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères, chères sœurs, chères familles, chers parents, parrains, marraines, dans la préparation au baptême, je vous invite à vous exprimer sur le renoncement à Satan et au mal et au péché, et dans un deuxième temps, à exprimer votre adhésion et votre foi en Jésus-Christ. Après chaque invocation, vous dites « J'y renonce ». Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché. Renoncez-vous à toutes ses séductions qui conduisent au péché. Et maintenant, comme adhésion à Jésus-Christ, chers parents, parrains, marraines, chers enfants, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Qui est ton parrain? Voulez-vous le présenter? Transito. Transito. Tu peux te pencher au-dessus. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Attends une seconde. C'est bien, tu peux te mettre sur le côté. Bonjour. Voulez-vous me présenter celle qui va être baptisée? Okay, tu peux t'incliner au-dessus. Valencia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Attends une seconde. OK, c'est bon. Tu peux là. Nicolas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez là. Alors, chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur,
vous a libéré du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ, et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Valentina, que Dieu pénètre au fond de ton âme comme cette huile sainte avec laquelle je te bénis. Amen. Nicolas, que Dieu pénètre, habite au fond de ton âme comme cette huile sainte avec laquelle je te bénis. Transito, que Dieu habite au fond de ton âme, comme cette huile sainte avec laquelle je te bénis. Amen. Transito, Nicolas, Valentina, vous êtes une création nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, recevez ce vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils et fille de Dieu. Jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. On peut manifester notre joie par une bonne main d'applaudissements. Recevez la lumière du Christ, vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez toujours comme des enfants de lumière, demeurez fidèles à la foi de votre baptême, alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à son encontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Le parrain, vous pouvez lui remettre. La marraine, vous pouvez lui remettre. Okay. Vous pouvez remettre avec votre enfant. Excellences, je vous présente nos confirmants. David. Jason.
Maria Alejandra, Sofía, Isabel, e João. Ainsi que Diomali. Chers frères et sœurs, vous voilà néophytes, vous êtes devenus membres du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous. Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa résurrection, et vous serez des membres vivants de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Frères et sœurs, très chers, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur ses candidats confirmants, qu'il les confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son onction de les rendre semblables au Christ, Fils de Dieu. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'Esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. David, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Amen. Jason, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Seigneur t'accompagne. Maria, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Sophia, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Isabelle, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Que la paix du Seigneur t'accompagne. João, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Yomali,
soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Après une première invocation, je vous invite à répondre, nous y renonçons. Renoncez-vous à Satan, au péché, à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Maintenant, je vous invite à répondre, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Thank you.
sanctuaire. Oui. Nous connaissons la bonté de Dieu à notre égard. Il entend nos prières, les écoute et y répond. Prions-le avec ferveur. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Pour les nouveaux baptisés, afin que leur connaissance se poursuive au sein de l'Église et qu'ils deviennent d'authentiques témoins du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Pour nous tous et toutes qui célébrons ensemble la veillée pascale, afin que nous soit donné le courage et la joie de ne jamais rougir de notre foi. Prions le Seigneur. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Pour toutes les personnes de bonne volonté, afin qu'elles travaillent à la construction d'un monde de paix, de solidarité, de justice et d'amitié. Prions le Seigneur. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Pour les gens pauvres, malades ou qui vivent un sentiment de rejet, afin qu'ils soient visités et réconfortés, prions le Seigneur. Fils du Dieu vivant, exauce-nous. Durant quelques instants de silence,
présentons à Dieu nos demandes personnelles. Accueille avec bienveillance, Seigneur, toutes ces demandes que nous te présentons par le Christ Jésus qui a traversé la mort et vit maintenant auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Thank you.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que le mystère inauguré dans la célébration pascale nous procure, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ce serait juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec confiance, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais lis seulement une parole et je serai guéri.
Christus Horie, Alleluia, Alleluia. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques. Par le Christ, notre Seigneur. Si on peut rendre grâce à Dieu pour le don de la foi, on peut aussi rendre grâce au chœur polyphonique de la cathédrale à M. Louis Lavigueur, Jean-Michel Grondin à l'orgue, M. Alain Duguay à l'animation. Alors, merci beaucoup pour votre soutien dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la Passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de la Pâque, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Thank you.
Joyeuse Pâques.